L'université d'Abomey-Calavi enregistre un nouveau docteur, Landry Denis Piquet. L'homme a orienté ses recherches sur les potentialités écotouristiques et contraintes climatiques des milieux aquatiques côtiers du site Ramsar 1017 au sud-ouest du Bénin. L'impétrant a présenté les résultats des recherches qu'il a menées dans les communes d'Abomey-Calavi, d'Ouida, de Kwamassé, de Grand Popo, de Komé et de Bopa devant une assistance composée d'amis, de parents et d'un jury présidé par le professeur titulaire Léon Biobigou de l'université d'Abomey-Calavi. Ces dernières années, le tourisme classique, notamment le tourisme de masse, est de plus en plus décrié de par ses effets sur les écosystèmes et les populations locales. De ce fait, l'écotourisme apparaît comme le type de tourisme à promouvoir. Or, l'État béninois, à travers son programme d'action 2016-2021, souhaite faire du tourisme une filière de développement économique et un outil de rayonnement du pays à l'international. Pour ce faire, il est alors urgent que les potentialités pouvant être valorisées par le tourisme, notamment l'écotourisme, soient identifiées et localisées. Après plusieurs minutes d'argumentaire, Landry Kiki s'en sort avec une mention très honorable, avec félicitations du jury. Beaucoup de pays se sont développés à cause du tourisme. Et aujourd'hui, le gouvernement a compris d'ailleurs et a pris le tourisme comme une priorité. Et une thèse dans ce sens pourrait contribuer à apporter des outils d'aide à la décision à l'État en général. Les recherches sur les potentialités écotouristiques du Bénin ont retenu l'attention du jury et ont suscité des recommandations pour la réorganisation du secteur touristique au Bénin. Que les maires prennent conscience de cette réalité, de cette richesse dont disposent les communes et qu'ils prennent conscience qu'il faut valoriser ces potentialités touristiques afin d'asseoir les bases du développement de l'épanouissement de ces communes. Landry Kiki a suivi sa formation doctorale en géographie et gestion de l'environnement, option géosciences de l'environnement et aménagement de l'espace, spécialité aménagement écotouristique.